Salut tout le monde, c'est Amnesix, on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois sur Gun of Boom. J'espère que vous allez bien, en tout cas les gars, ça va super. Aujourd'hui, on va rien faire de très spécial, on va faire quelques parties. On va farmer l'XP parce que je dois vraiment passer niveau 34. J'en ai marre d'être en dessous, voilà, il faut que je passe ce level, ce niveau si palpitant. Voilà, pour pouvoir... jouer avec des gros joueurs, avec de nouvelles grosses armes, etc. Voilà, donc on va faire une ou deux parties. Dites-moi si vous voulez des vidéos plus longues, parce que du coup là, je vais faire que une ou deux parties, donc elle sera pas forcément très longue. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour pouvoir suivre mes vidéos. Et voilà, on va commencer. Je me suis un peu remis au jeu, voilà, je joue plus ces derniers jours. J'avais arrêté pendant 3-4 jours. Voilà, j'avais pas vraiment le temps. Et pas vraiment de motivation non plus. J'ai téléchargé Discord, voilà, pour m'ajouter, je vous mettrai sur l'écran mon pseudo et mon hashtag. Vraiment là vous devrez l'avoir en plein milieu de votre écran. J'ai également un compte Facebook, c'est Amnesix YouTube. Je vous mettrai des liens, voilà, tous les liens dans la description également. Je vous mettrai aussi le lien de Gun of Boom France. C'est une page Facebook. Page Facebook de Gun of Boom France et la page Facebook de Gun of Boom Terrible Kid. Voilà. Allez, pour l'instant, la partie se passe plutôt bien, on mène au point, au score. Il va falloir faire attention quand même parce qu'ils sont un peu en train de remonter. Ok, ah, j'ai cru, ah si, double kill, sauf que ça n'a pas été affiché dans la feed. Allez, ouh, je l'ai vu lui, je vais arriver par derrière. Il court, ah, il faut que je sauve mon allié. Ok, voilà. Parfait, désolé pour le bruit de fond. Je m'en excuse, je suis pas chez moi. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Ok. Lui, il est mort. On va aller sur A. Faut vraiment jouer les points sur les modes de jeu comme ça. Ok, je me suis tué. C'est vraiment très important de jouer la victoire dans ce jeu parce que c'est bien de faire la partie de son côté. Bien sûr, dans les matchs à mort par équipe, faites juste le plus de kills possible parce que c'est le but en fait. On peut que avoir des points en faisant des kills et des assistances. Par contre, dans les modes de jeu avec un point de contrôle, ou alors plusieurs, il faut vraiment jouer le plus possible les points avec votre équipe. C'est pour ça que c'est bien d'être sur Discord par exemple avec le clan Tekid. Voilà, faut jouer les points vraiment et puis également les kills. Après ça, dès que tu vas aller chercher les points, tu vas aller chercher les kills en même temps parce que l'autre équipe va faire pareil. Voilà, ok, on va essayer de pas perdre. Ah, il y a du monde au milieu là. Ouais, je vais me faire tuer, je pense. Beaucoup de monde. Je prends un petit medikit. Ok, je pense que j'aurais pas dû retourner à droite. Comme vous pouvez voir, quand j'arrive devant quelqu'un en face de lui, je bouge. Hein. Faut vraiment faire soit lui tourner autour d'un côté ou de l'autre, soit il faut vraiment tourner comme ça à droite sans s'arrêter. C'est très compliqué comme ça pour l'adversaire de nous tirer dessus. Ou alors sinon, vous pouvez faire gauche-droite, c'est aussi une solution. Je le fais plus souvent, mais finalement, c'est mieux juste d'aller dans une direction. Après, ça dépend. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Mais ce qu'il faut juste, c'est ne pas rester en face, quoi. Parce que si vous restez en face, bah, là, ça va être facile pour l'adversaire de vous tirer dessus, de vous tuer. Surtout si tu tombes sur un serveur... Ouais, pour ceux qui savent pas, le serveur c'est un fusil à pompe qui tire, il me semble, une rafale de 4 balles à la suite. Il peut faire très mal, même si je pense que c'est pas une très bonne arme. Si vous bougez pas devant lui, bah vous êtes mort, quoi. À moins que l'adversaire soit vraiment mauvais ou qu'il n'ait plus de vie.
Ok, on est sur un 19 kills, j'aimerais bien finir sur un 20 kills, j'aime bien les chiffres ronds, enfin les nombres plutôt ronds. Et voilà, sinon c'est une partie gagnée assez facilement. Parce que je vais avoir le temps de faire mon dernier kill, je pense, parce que là normalement ils vont aller sur A. Juste pas que je me fasse tuer encore. Tiens lui. Oh, j'ai complètement raté. Oh non, je les ai tous mis low et puis je suis mort quoi. Ça arrive, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pour un kill qui va. Bon, c'est fini. C'est pour un kill qui va tout changer. Je finis quand même sur un beau score. Je vous retrouve juste après la vidéo parce que voilà, il me faut quand même l'XP et le lift. Enfin, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser la récompense au deux. Comme ça, je suis obligé de la regarder. Allez, je vous retrouve juste après. Revoilà, j'ai regardé la vidéo, ça a bugué donc ça m'a pas donné la récompense x2, c'est pas très grave. Alors les quêtes, est-ce qu'on a quelque chose? Non, rien. J'espère que la qualité du gameplay en tout cas vous plaira. J'ai lancé une deuxième partie, voilà, j'ai pas envie de rester sur une partie, elle était quand même bien la première partie, mais voilà, ce serait un peu court quand même. Ouais, j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne. Je suis toujours en train de tester plusieurs c'est-à-dire en fait j'utilise Mobizen pour filmer mes vidéos et on peut choisir plusieurs paramètres. Là j'ai choisi de mettre 720p, une qualité d'image de 12, je sais pas vraiment ce que c'est, et en FPS j'ai mis automatique alors que normalement je mettais à 60. On va voir si c'est mieux ou si c'est tout aussi bien. Voilà, on verra ça après la vidéo. Sinon, normalement, pour le son, vous devez m'entendre plutôt bien. Oui, parce que sur le logiciel de montage que j'utilise, voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu vous informer sur les logiciels de montage sur Android. Ou alors sur téléphone, je sais pas, je pense qu'il y a aussi sur iOS. Voilà, j'ai trouvé comment en fait on peut augmenter le son de sa voix. Par contre, je sais toujours pas comment je peux faire pour en même temps mettre ma voix et le son du jeu. Voilà, bon, ça on en parlera dans une autre vidéo. Là, on va un peu parler du gameplay pour l'instant. Ça va pas super. Bon, je me place quand même premier avec 6 kills. Je suis loin devant mes coéquipiers. Mais alors les adversaires sont très bons, enfin sont très bons, ils n'ont pas des grosses armes. Pour l'instant ils nous mènent, je pense que c'est juste mes alliés qui sont plutôt très mauvais. C'est pas grave, on va essayer quand même de gagner la partie. C'est pas fait, hein. Pas du tout même. Ok, on a un allié qui a fait un double kill, ça c'est bien, ça nous monte un point. Allez, lui, il est à moi. Ok, très bien. Là, mon allié, par contre, il va mourir. Ok, là, j'ai géré. Moi, je vais mourir, malheureusement. J'ai plus de balles. Petit triple kill. Voilà, on les a dépassés. On mène maintenant. Il n'y a plus qu'à rester là-dessus et puis on gagnera. Mais alors là, ça va être compliqué. Et ouais, non, j'ai fait le con. Oh, j'ai fait le débile. Je pensais pas qu'ils étaient autour, hein, mais... On s'est fait dépasser, c'est pas très grave. Je sais pas si ça vous dé... Ah, voilà. Ouais. Peut-être des fois, en fait, que je parle moins vite, mais que je réfléchis plus à ce que je veux dire. Parce que je dis n'importe quoi, enfin, je me mélange. En gros, je voulais vous dire, je sais pas si vous, ça vous si est déjà arrivé, ce qui m'est arrivé, là, de regarder une vidéo pour avoir le double récompense de combat. De regarder la vidéo et de pas avoir le double en fait.
Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Il y avait un moment, un temps où genre, ça me le faisait tout le temps. Et ça s'était arrêté. Et là, ça reprend apparemment. Donc. Je sais pas si c'est moi en fait qui bug ou si c'est le jeu qui est mal fait comme ça. Qui m'a fait par rapport à ça. Après, le jeu n'est toujours pas parfait. Hein. Il y a encore pas mal de problèmes de codage. Hein. On a pu voir sur ma dernière vidéo, hein. Celle-ci aussi je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo assez courte, voilà. Une vidéo sur un bug et puis un glitch. Et également un truc assez marrant, je sais pas comment on peut faire ça. C'est pas un glitch en fait, c'est normal. En gros, le premier glitch c'est dans une map, je me rappelle plus laquelle c'est précisément, je me rappelle plus son nom. On peut tirer et lancer une grenade à travers un mur, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est très marrant. Et je l'ai su, en fait, complètement par hasard, pendant une game. Je suis allé... ça se passait plutôt bien, on l'a mené assez... comment dire... violemment. Où, moi, je restais vraiment dans leur spawn, j'étais complètement en dessous de leur spawn, ils étaient très mauvais, les adversaires. Et dès que... le gars est à respawn dans son respawn, quoi, à son point de respawn, ça a bougé mon pointeur, enfin mon viseur, et ça l'a bougé sur lui et ça a commencé à tirer à travers le mur en pleine partie. C'était plutôt marrant, ça m'a permis de découvrir le bug. La partie elle est... ouah, c'est chaud. Non, ah, ok, ça va, on a gagné. Ok, j'avais pas regardé trop le score. Très content, on a gagné. Je finis sur 22 kills. Ah ouais, on est 2 contre 4. Un maximum de likes là, les gars, pour ça. Je sais pas s'ils ont quitté juste à la fin ou tout dès le début, mais. Mais quand même, en 2 contre 4, avoir gagné comme ça, plutôt pas mal. J'ai fait un 22 kills, c'est pas trop dégueu. Sur ce compte, on va regarder où j'en suis sur mes meilleurs scores. Je suis à 440 de meilleur score, c'est pas mal. Je l'ai fait sur la map Halloween. Je faisais quand même des bons scores sur cette map. Un record de frag 25, je crois aussi que c'était de l'Halloween. Partie récente, on a une défaite, c'est tout. Ok, ça va. Je suis bientôt à la moitié du niveau 34, ça fait plaisir. Je vais continuer à farmer là ce soir. Je vais aller sur Discord avec les autres de T-Kid. Malheureusement, ils sont presque tous au-dessus du niveau 34, donc je peux pas encore jouer avec eux. C'est pour ça que je me dépêche. Et que je farme beaucoup l'XP. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, les gars, c'était Amnésix. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.